Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. En tous les cas, moi ça va super bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour l'ouverture de booster Pokémon. Donc un petit coffret bien sympathique où il y a 6 boosters, pas de cartes promo cette fois-ci. 6 boosters Pokémon, c'est du Soleil et Lune. Donc il y a différentes éditions. Hein. Il y a du Soleil et Lune, de l'ombre ardente, du gardien ascendant. Ça, c'est vraiment cool et c'est vraiment pour patienter. Et j'espère fin de semaine prochaine recevoir mes coffrets, pardon, Meowth VMAX et les tripack épée et bouclier, je les attends vraiment avec très grande impatience. Mais aujourd'hui, en tous les cas, 6 boosters pour cette petite ouverture et j'espère qu'il y aura de belles cartes à vous montrer, à vous présenter. On se retrouve comme d'habitude juste après l'ouverture du blister. Alors qu'est-ce qu'on retrouve dans ce coffret? Évidemment les 6 boosters, donc on a du ombre ardente, du soleil lune et enfin 2 boosters gardien ascendant. Mais disons je vais garder cet ordre là, c'est plutôt pas mal. Alors j'espère faire d'avoir de très jolies cartes à vous montrer pour cette ouverture et on va commencer tout de suite par le soleil et lune. Donc je vous rappelle que il y a 10 cartes hein, tout simplement dans ces boosters et il y a dans les boosters à chaque fois une carte reverse. Hein, qui peut être une commune, peu commune ou une rare reverse et une carte rare hein, qui peut être une simple rare, une holographique et les ultra, hein, les très convoités ultra rares. J'ai les petites pochettes ici pour pouvoir les protéger au cas où. Allez, c'est parti, on s'ouvre ça ensemble. Alors c'est du 1, 2, 3, 4, 1, 2, il me semble, je sais jamais, hein, c'est le flou, mais c'est pas grave, l'essentiel c'est de voir les cartes, elles sont vraiment très très belles. Carvana, Togedemaru, ici on a un petit Lupio, Makuhita, très sympa, Chenipan, une énergie, et on a Otarlette, Escroco, très sympa, il est stylé, on dirait qu'il porte des lunettes. Et on va avoir donc Bekipan et notre première carte River, je vais mettre ça un petit peu de côté. C'est Manglouton, une commune River, j'aime beaucoup l'effet River, ça c'est grande étoile comme ça, c'est très très joli. D'ailleurs pour épée et bouclier, ils ont changé, parce que j'ai un petit peu regardé des vidéos, les motifs du Reverse. Et enfin on va commencer par un petit Papillusion, ben, on commence pas spécialement très 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 bien, mais bon comme c'est comme ça. Hein. Petite Papillusion en rare, simple rare. Allez, deuxième booster de cette ouverture et dernier booster de Soleil et Lune. Oh la vache, bien abîmée là, regardez-moi ça. On voit pas très très bien. Ah ça y est, là on voit bien. Elles sont bien dégueulasses. 1, 2, 3, 4, 1, 2, malgré qu'elles sortent des boosters, hein, c'est ça qui est fou. Hein. Mascaïman, Rattata d'Alola, il est bien énervé le Rattata là, le Snubbull. Makuhita qu'on a déjà vu, Bambidou, le petit moustique, une carte énergie. Repousse en carte dresseur, Bekipan, Pokéball la carte dresseur et on attaque avec Échange qui est une carte dresseur reverse. Et enfin ça sera Gigalith, il est très 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 beau, waouh il est très très bien celui-là. Bah, il fait plaisir, hein, le Gigalith qui est une holographique, tout simplement, donc rare holo. Allez, troisième booster de cette ouverture, on arrive à la moitié, hein, ça va très 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 vite. Et c'est l'édition, cette fois-ci, Ombre Ardente. Hein. Alors, on met ça de côté. 1, 2, 3, 4, 1, 2, et c'est parti. Psystigris, Caraclé. Sonistrel, le petit nounourson qui se jette hein, là, dans l'espèce de coton nuageux. Thibaudet, on a une carte énergie. Ortide, Hypocéan qui est très très beau. Hein. Ici on a Alter de Culturisme et une rare reverse Noctunoir, elle est très 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 belle aussi. Et enfin, yes, ça y est, Marchado GX, ah, elle fait plaisir celle-là, eh ben, c'est vraiment cool. Hein. Voilà, Marchado GX, elle est très très belle, c'est la 80 sur 147. Voilà, première ultra de cette ouverture et tout de suite je vais la mettre sous sleeve, hein, tout simplement. Ça c'est vraiment très important, je crois que je le répète à chaque vidéo, mais... Mais c'est nécessaire hein, pour vraiment bien les protéger. Elle est très très belle. Allez, quatrième booster et dernier booster de Ombre Ardente pour aujourd'hui. C'est parti. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Et Crabagar. Ici, hein, le petit Meowth qui se promène hein, tranquillou au bord de la mer. Nounourson.
Feuille à joue, Cradopo, une carte énergie, le petit Crisacier à côté de son tronc d'arbre, Altère de Culturisme, Rhinophéros, elle est très 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 belle, celle-ci, il est bien énervé, hein. Je pense que ça vraiment, ça pourrait être une illustration d'une carte rare ou d'une holo, hein, tout simplement. Oh, Quatermac en Rare Reverse, eh ben, décidément, pas mal de Rare Reverse pour cette ouverture. Et enfin, Sepiatros en Rare. Allez, il nous reste encore deux boosters. Ben, je vais commencer par celui-là, hein, tout simplement. Deux boosters. Pour terminer cette petite vidéo, cette fois-ci, on est sur le gardien ascendant. Bébé Kai, le petit bébé Kai, Nirondelle, Carvana. Ici, on a Barloche, Brocélum, l'espèce de spectre fantôme avec côté de Mimiki. Elle est très très belle, cette illustration. La carte énergie, Tentacruel, Mélancolux, Simulabre, et on arrive déjà à la Reverse, qui est Miamiasme. Elle est pas ouf, hein, en version pâte à modeler. Et enfin, on aura ici, ben voilà, Miasme Max, cette fois-ci, en rare. Allez, dernier booster, et pourquoi pas encore une petite GX, hein, ça ferait super plaisir pour cette ouverture. Hop, allez, 1, 2, 3, 4, 1, 2, est-ce qu'on va terminer en beauté cette ouverture? On a Petit Machoc qui regarde ses biceps, Miasme, Miasme, encore une fois, Katzoy, Bébé Kai, Nirondelle, une énergie plante, Mesmerella, très sympa, Nettoyage de terrain, Ekaïd, et en reverse, Terral. Et enfin, on va terminer avec Sharpedo en rare. Allez, petit bilan de cette vidéo, hein, qui est très positif, hein, puisque j'aurais eu quand même une holographique et une ultra rare, hein, ça c'est vraiment cool pour cette ouverture. Ici, alors déjà, les reverse avec Terral, Miamiasme, Quatermac en rare reverse, Nocturne Noir en rare reverse, Échange et le petit Manglouton. Et enfin, on va mettre ça ici. Et enfin, les cartes rares, Sepiatros en rare, Sharpedo, il est très sympa, Sharpedo, le petit papillusion, Gigalith, très très belle, Gigalith en holographique, et enfin, notre carte ultra de la journée, qui est le Marshadow GX, très très sympa. Voilà, en tous les cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Moi, je te dis à bientôt sur la chaîne, il y aura bien sûr plein d'autres vidéos d'ouverture de cartes de collection, mais pas que. Allez, ciao ciao!